Alors c'est un roman sur la force subversive de la joie de vivre, qui n'a pas besoin des conditions du bonheur pour se déployer. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Solaro et qui rencontre l'adversité. Il perd sa mère d'un cancer, il se fait tabasser, il tue quelqu'un par accident. Il a plein de problèmes et puis il va en prison et l'adversité s'accroît, mais sa joie aussi. La question c'est pourquoi, voilà, d'où vient sa joie? Comment trouve-t-il la ressource de dire oui à la vie malgré tout et d'apprécier l'existence dans sa réalité concrète? Même quand il est en prison, il a des amis, il cultive son potager, il fait de la musculation, il joue au foot. Et finalement, dans toutes ces situations d'existence, eh bien, il n'est pas triste parce qu'il a compris que la tristesse, elle vient toujours du fait qu'on convoque quelque chose qui n'est pas là, une idée de la vie, de ce qu'elle devrait être, et on va dévaloriser son existence réelle au regard d'une idée de la vie qui est irréelle. Et lui, il fait le contraire. Il se dit pas ce que sa vie devrait être, il se dit pas ce serait tellement mieux si c'était autrement. Il part du réel, et à partir du réel, il aime ce qui est aimable. Et puis c'est vrai que, par ailleurs, vous avez peut-être remarqué quand je vous ai parlé que l'histoire est la même que celle de L'étranger de Camus. Quelqu'un qui perd sa mère, qui tue quelqu'un et qui est condamné. Et dans L'étranger de Camus, dont j'ai fait en fait une sorte de remix ou de réinterprétation, eh bien, au procès de Meursault, il est condamné non pas pour le meurtre de l'Arabe, il est condamné pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Il est condamné pour son indifférence souveraine. Eh bien, mon personnage va être condamné pour sa joie de vivre. Non pas parce qu'il a tué quelqu'un, c'est un accident et c'est pas prémédité, mais il va prendre une énorme peine parce que les jurés, la société, le monde des hommes ne comprend pas que la joie résiste à ce point à l'adversité. Ça fait des années que j'écris des livres de philosophie. J'avais commencé par écrire des romans quand j'étais jeune, il y a une quinzaine d'années. Et là, je reviens au roman après 15 ans d'absence. Mais c'est un roman, comme vous l'avez compris, philosophique. J'ai beaucoup aimé tous les romans philosophiques de la tradition française, L'étranger de Camus, La nausée de Sartre, La religieuse de Diderot, Les animaux dénaturés de Vercors. Et voilà, j'avais envie de d'oser l'aventure du roman philosophique, c'est-à-dire d'un personnage, au fond, qui incarne une notion. Ce Solaro, il incarne pour moi la joie de vivre, mais une joie folle, quelque part. C'est-à-dire que, vous savez, quand on dit qu'on est fou de joie, je pense qu'on a raison, la joie est toujours folle. Si c'est raisonnable, si c'est rationnel, c'est pas de la joie, c'est du bonheur ou c'est de la satisfaction. Mais la joie folle, c'est précisément ce que les autres ne peuvent pas supporter. Vous savez, tous ceux qui aiment se plaindre et qui voudraient que vous les accompagniez dans le gémissement et la complainte, eh bien, ce sont eux qui vont condamner Solaro à la pire des peines. Il est clair que ce roman est aussi une manière de critiquer une société qui se plaint tout le temps et qui pense que la plainte est légitime, que le gémissement est bienvenu. Et voilà, ce personnage, il est sorti comme ça, avec sa manière folle de dire oui à la vie, quelles que soient les conditions de la vie. Alors c'est aussi un roman sur la joie et pas sur le bonheur. Hein. Oui, il n'y a pas vraiment de possibilité d'être heureux quand on a perdu ce qu'on aime, qu'on a échoué dans ses projets professionnels et qu'en plus on est condamné par la justice des hommes. Mais quand le bonheur n'est plus possible, la joie non seulement demeure possible, mais est salutaire. La joie est possible même quand le bonheur ne l'est plus. C'est exactement l'idée qui m'a porté quand j'ai écrit ce roman.